quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est sa première apparition à la télévision. Elle s'appelle Ina Modja. Elle vient du Mali. Elle interprète une chanson qui a pour titre Mr. H. On va faire plus ample connaissance avec elle. Vous la voyez pour la première fois. C'est toujours émouvant de faire débuter quelqu'un dans une émission de télévision grand public. Voici Ina Modja. Bonjour, Arthur et son papa, Gérard. Bonjour. Bravo. Merci beaucoup. Mr. H, ça veut dire Mr. Happiness, non? Mr. Happiness. Oui, c'est pas le H. Exactement. H, Monsieur Bonheur. Exactement. Parlez-moi de vous, d'où venez-vous? Je viens du Mali. Bamako? Bamako. Où on nous regarde aujourd'hui, comme chaque dimanche, par le satellite TV5 Monde. Tout à fait. Comment vous avez commencé dans ce métier? J'ai commencé très jeune, à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à écrire des chansons et je voulais absolument chanter. Donc je suis allée chez mon voisin qui s'appelle Salif Keïta. Et je lui ai demandé comment faire. Parce que j'avais vraiment très envie. Et il s'est un petit peu moqué de moi parce que j'avais l'air très jeune. Il m'a demandé mon âge et ensuite il m'a envoyé auprès d'un groupe qui s'appelle le Rai Band de Bamako. Et j'ai commencé comme ça. Il y a des chorales? Ça, c'était un peu plus jeune. Quand j'avais 6 ans. Parce qu'elle est très vieille. Là. Alors, vous vous définissez avant tout comme une Peul du désert. Tout à fait. Une Peul, c'est une des ethnies présentes dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Tout à fait. Et vous avez écouté très jeune des grands du jazz, Ray Charles, Fitzgerald, Otis Redding. Ça, oui. C'est votre première culture musicale. C'est ma première culture musicale. C'est ce que mon père écoutait régulièrement et j'ai grandi avec ça. Heureux de vous accueillir pour la première fois à la télévision chez nous. Merci On va vous voir chez Nagui dans le célébrissime Taratata
qui est une émission si importante pour les chanteurs. Vous serez aux côtés de Nagui le 14 octobre sur France 4 et le 16 octobre sur France 2. Ben voilà, Florence Fessa, qui est notre programmatrice, a eu raison de nous parler de vous. Et je crois que Gérard était ravi d'être un peu votre parrain, puisque vous débutez dans une émission à la télévision française pour la première fois, avec comme parrain Gérard Junior, qui a parrainé toutes les stars. Barbara Streisand, Céline Dion, Miss Tinguette, Joséphine Baker, tout le monde. Absolument. C'est vrai, hein? Absolument. Je suis très, très contente d'être ici. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Parce que moi, on m'a fait, je connaissais pas, on m'a fait écouter plein de disques et puis j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais. Si vous voulez vous adresser à votre famille qui est à Bamako, c'est sur la caméra 3. Alors, qui est allumée. Bonjour à tous. Je pense qu'ils sont tous derrière leur caméra. Et je vous aime de tout mon cœur. Et bonjour Bamako, qui est ma ville natale et qui est un peu... voilà, c'est mon pays. Voilà. Merci beaucoup, Ina. Merci. Bravo. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. Faites attention. Ben voilà. Je suis désolé, Gérard.